Kiera a passé toute la nuit éveillée à se gratter les bras parce que les draps de son lit l'irritaient. Kiera est atteinte d'eczéma. Et cela se produit parfois lorsque ses parents achètent un nouveau détergent à lessive. La dermatite atopique, également appelée eczéma, est un groupe d'affections persistantes ou chroniques qui provoque une inflammation des couches supérieures de la peau. Elle se manifeste généralement par des démangeaisons. Certains signes et symptômes de l'eczéma sont des démangeaisons, des rougeurs, des éruptions, des saignements, des croûtes, du suintement. La dermatite atopique est activée par le système immunitaire et malgré son apparence, elle n'est pas contagieuse. Elle peut toutefois se manifester de façon répétée au cours de la vie d'une personne en raison de facteurs déclenchants, comme une maladie, du stress et une exposition à des allergènes ou à des irritants, comme les savons, les détergents ou les produits d'entretien ménager. Comme la dermatite atopique est une affection cutanée, elle peut avoir un impact sur la façon dont une personne se perçoit. Comme il n'existe actuellement aucune cure, il s'agit d'une affection à long terme. Celle-ci peut avoir des répercussions sur tous les aspects de la vie d'une personne, ainsi que sur celle de sa famille et des personnes qui la soignent. C'est ce qu'on appelle le fardeau de la maladie. La maladie de Kiera a un effet direct sur son estime de soi et sa qualité de vie. Lorsque la peau de Kiera démange, et elle se réveille la nuit juste pour se gratter. Le manque de sommeil occasionné par les démangeaisons la rend irritable et fatiguée, ce qui affecte sa concentration pendant la journée. À l'école, ses camarades se moquent d'elle et l'insultent à cause de sa peau. Alors, Kiera essaie de couvrir son corps le plus possible. L'affection de Kiera affecte également son frère Riley, en limitant ses occasions de se divertir et le temps passé en tête-à-tête avec ses parents. Lorsqu'ils sont sortis pour une journée de marche en famille, ils ont dû rentrer plus tôt à cause d'une poussée d'eczéma de Kiera. Riley a été contrarié, car il n'a pas eu la sortie promise. Les parents de Kiera, André et Tracy, sont également affectés par sa maladie. Ils discutent souvent de la façon dont ils vont pouvoir assumer les coûts des traitements et des produits spéciaux dont Kiera a besoin, et de qui va prendre congé pour aller au rendez-vous avec elle. Les pressions financières et sur l'horaire qui sont exercées sur une famille peuvent avoir un impact négatif sur la capacité d'une personne à se faire soigner. Bien que le fardeau familial de la maladie des personnes atteintes de dermatose soit actuellement très lourd avec une bonne politique de soins de santé et l'accès à des traitements et des ressources abordables, ce fardeau peut être allégé pour les familles afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qui est le plus important, les membres de leur famille. Aidez-nous à soutenir des initiatives dans tout le pays afin d'améliorer la vie des personnes atteintes d'affections de la peau et de leur famille.